Прошло вообще, я уже старый просто фильм. Опа, кто здесь? Почему надо инвестировать в акции прямо сейчас? Большинство называют такие причины. Создать капитал, чтобы жить на проценты, получать вторую пенсию, накопить на образование детей в ВУЗе, создать подушку безопасности на случай потери дохода, сохранить и приумножить. Все это можно решить при помощи инвестиций в акции. Но как это сделать правильно? Об этом мой бесплатный вводный курс, пройдя который, вы поймете, как получать стабильную прибыль от инвестиций. Ну, что ты хочешь от меня, да? 6 критериев отбора. Какие акции покупать, а какие обходить стороной. И с чего вообще начать. Вы получите пошаговый план лично от меня. Меня зовут Елена Коваленко. Я квалифицированный инвестор, практик с 20-летним опытом. Я проведу вас за руку. Мои авторские технологии применяют уже более 20 тысяч учеников. И они уже сейчас получают результаты. Об этом говорят тысячи отзывов. В среднем мои ученики получают 20% годовых в валюте. Благодаря грамотным инвестициям. Предлагаю и вам присоединиться, присмотреться, познакомиться со мной. Переходите по ссылке, не знаю, как и вы получите я курс совершенно бесплатно. Ну, он о себе так думает просто, да. Ну, вот это народ. Дураком будут тебя не думать. Сенсация в чистке зубов. Умная зубная щетка Philips Sonicare. Создана профессионалами, рекомендована стоматологами. Philips Sonicare чистит зубы правильными выметающими движениями, удаляя до 20 раз больше налета. Philips Sonicare чистит правильно. Et voilà les amis, nous allons régler comme d'habitude, comme c'est la tradition, l'autofocus qui va autofoquer plus bouger. Et puis je vous rappelle cette émission en direct et en différé du grenier. Et réalisé sans trucage, sans montage, et oui, rien que pour vous, et on va parler de sa baisse, hein, puisque la semaine dernière, de dernière, coucou les copains, coucou les amis, salut, je vous retrouve avec plaisir. Là, il y a 15 jours, lors de la dernière vidéo, intitulée « Pourquoi tout monte et les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel ?», eh bien, nous allons parler 15 jours après de pourquoi tout baisse, et pourquoi les arbres ne vont pas grimper jusqu'au ciel. Donc vous avez bien compris que évidemment ça montait, donc on va faire évidemment un parallèle avec la semaine dernière parce que c'est super intéressant de regarder pourquoi on est dans une grande tendance haussière, mais pourquoi dans cette grande tendance haussière, et bien on a évidemment des moments de correction, des moments de baisse plus ou moins importants, mais ça ne change rien à la grande tendance haussière de fond. Donc d'un côté
les arbres montent jusqu'au ciel, mais enfin, de temps en temps, il y a des saisons, et à l'automne, les arbres pètent leurs feuilles, quand même, ils grandissent et seront encore plus beaux l'été suivant. C'est un petit peu l'analogie, si vous voulez, qu'on peut faire pour expliquer ces grandes tendances haussières avec, à l'intérieur, des grands mouvements de baisse, évidemment. Donc, prévision, et je vais vous faire quelques petites prévisions. Pourquoi tout baisse? Alors évidemment, l'art de la prévision, c'est une prévision, donc c'est pas la vérité absolue, incontestable, non, c'est des pistes de réflexion. Et puis, ce sont des prévisions dans le sens où on se mouille un petit peu, où je me mouille un petit peu pour vous, mais globalement, voilà, ça n'a pas plus d'enjeu que ça. Gardez-les dans un coin de votre tête, c'est intéressant, les prévisions, ça bouge en fonction de ce qui se passe. Il n'y a jamais rien de figé, si vous voulez, nous en sommes dans un monde, toujours pour rester dans l'analogie avec les arbres, c'est ce qu'on appelle les arbres des possibles. Donc en fonction de vos décisions et des choix que vous allez faire et que vous allez prendre, eh bien, si vous prenez cette branche-là, c'est pas la même chose que si vous prenez cette branche-là, et j'évite la branche Zimbabwe, n'est-ce pas, qui est le doigt central. Voilà, donc ça, voilà, c'est pas la même chose, vous voyez. Donc évidemment, votre avenir ou notre avenir, si on prend cette décision-là, ce sera pas la même que si on prend cette décision-là. Et puis à ce moment-là, on fait de nouvelles prévisions, et on réajuste en fonction de ce qui s'est passé et des choix qui ont été faits. Si vous faites aujourd'hui des prévisions avec des taux d'intérêt qui sont bas en anticipant des taux d'intérêt qui vont rester bas, et que demain on met les taux d'intérêt à 10%, bah évidemment vos prévisions ne peuvent pas tenir. Donc vous allez devoir les revoir, les refaire. Donc c'est parfaitement logique que de réaxer vos prévisions en fonction de ce qui se passe. Alors, il y a 15 jours, j'essayais de vous démontrer que tout pouvait toujours monter, et monter jusqu'au ciel. Montrer que quand l'inflation est là, tout peut monter encore. Et l'inflation, elle est là. Et que, en fait, c'est pas l'éternelle appréciation des actifs, c'est pas lié au fait que les actifs montent en eux-mêmes, c'est évidemment lié à la dévalorisation du pouvoir d'achat de votre monnaie. L'inflation en est à ses débuts pour le moment, et nous vivons actuellement une correction en raison du variant Omicron, et je m'en vais tenter de vous expliciter un petit peu tout ça. Donc regardez, il y a 15 jours, c'était ce que je vous montrais. Donc là on est de 2003 à 2021, donc on est sur un horizon de temps de quasiment 20 ans, donc vous voyez cette grande tendance haussière sur 20 ans, d'accord ? La tendance haussière sur 20 ans. Ici on est à 35 500 points. Et puis, là tout baisse, mais j'ai changé, là on est à 34 500 points, on a perdu 1000 points. Si je vous montre 1000 points, ce que ça fait ? Ça fait ici, d'accord ? Donc autant vous dire, comme la petite bougie rouge, là je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, enfin c'est comme si ça baissait jusqu'au niveau de mon doigt là. C'est-à-dire que cette baisse sur le long terme, aujourd'hui elle est insignifiante. Mais si on la regarde sur un horizon de temps qui est beaucoup plus court, là on est sur un an, d'accord, on est sur 12 mois, là elle semble un peu plus significative. Mais vous voyez bien qu'au cours de l'année, on a déjà eu des mouvements relativement significatifs de correction. Alors évidemment, là, ce mouvement de correction, il semble un petit peu plus important. Donc le Dow Jones, il baisse. 15 jours, ça montait, aujourd'hui, ça baisse. Le Nasdaq, c'est pareil, regardez, on était à 16 500 points, et là, on est à 15 600 points. Pareil, je vous rappelle, on n'est pas sur le même horizon de temps. Là, on est sur 20 ans. En même temps, mais évidemment, vos prévisions ne peuvent pas tenir. Donc, vous allez devoir les saboter. Можно за 5 минут мне сказать, что...